Quelques heures après le tournage de cette vidéo, la radio France Info a annoncé la mort dans le crash de son hélicoptère avec son pilote également mort, d'Olivier Dassault, député de l'Oise Les Républicains depuis 27 ans, commandant de réserve dans l'armée de l'air, petit-fils de l'avionneur Marcel Dassault. Dans la journée, la même radio a longuement parlé du voyage du pape François en Irak, dont on a précisé qu'il a pris l'hélicoptère. Liancourt, où vit le témoin d'OVNI Pierre Dauchin, est une commune de l'Oise. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le dimanche 7 mars 2021. J'ai publié sur mon autre chaîne Jean-Charles Bourquin récemment une vidéo très importante concernant le témoignage de Pierre Dauchin, un retraité qui vit à Liancourt et qui affirme avoir vu le 18 avril 2015 devant sa fenêtre, au-dessus de la vallée, deux ovnis en forme de delta avec des lumières étranges planer silencieusement. Je rappelle que ce témoignage a été présenté dans un reportage de la chaîne France 3 Hauts-de-France, publié sur YouTube en 2020. Pierre Dauchin a été très marqué par cette apparition et a écrit un livre que l'on peut acheter en librairie. Ce monsieur est ancien ingénieur des travaux publics et journaliste, et je considère que l'on ne peut pas mettre en doute sa parole. Dans la vidéo que j'ai présentée récemment sur ce témoignage, j'ai donné des éléments personnels d'observation et d'analyse concernant cette apparition qui tente à montrer qu'elle est causée par l'envahisseur extraterrestre apocalyptique que je dénonce depuis 2008 en lien direct avec la religion chrétienne et qui cherche à faire de la mauvaise influence en violant nos lois territoriales. Dans cette présente vidéo, je vais présenter d'importants compléments d'analyse dans deux nouvelles diapositives. Je vous remercie vivement pour votre attention et vous invite à partager très largement ces informations. Dans cette diapositive numéro 7, je propose d'étudier de manière numérique, à partir des lettres de Pierre Dauchin, des liens possibles avec l'apparition dont a été témoin ce monsieur le 18 avril 2015 à Liancourt dans l'Oise. Pierre, en réduisant la valeur des lettres, par exemple R, qui est la 18e lettre de l'alphabet, donne 1 plus 8 égale 9. Dans ce cas, Pierre a pour valeur 44 et Dauchin a pour valeur 33. La 4e lettre de l'alphabet est la lettre D. Cette lettre est originaire du grec, c'est la lettre delta. Le delta a une forme de triangle lorsqu'il s'agit du delta majuscule et peut se comparer aussi au chiffre 3. Ainsi, Pierre avec ses 2-4 et Dauchin avec ses 2-3 évoquent de façon redondante un double delta. Pierre Dauchin a vu devant sa fenêtre, surplombant la vallée, deux ailes
Delta, que l'on appelle communément OVNI pour objet volant non identifié. J'ai remarqué dans la vidéo précédente qu'il y a deux croix exceptionnellement sur le clocher de l'église Saint-Martin à Liancourt, tandis que sur les clochers des églises voisines, il semble qu'il n'y a qu'une croix. Je note pour vous là maintenant qu'en réduisant toujours la valeur des lettres de l'alphabet, le mot croix vaut 33. Il semble donc que l'apparition à Liancourt, telle qu'elle a été décrite par Pierre Dauchin, a connaissance de ce fait, et que l'on a voulu de façon allusive faire lien avec la Trinité chrétienne, voir la première vidéo, et le message de Jésus-Christ et le retour de Jésus-Christ, qui pourrait être symbolisé par la seconde croix. Dans cette huitième diapositive, je remarque des éléments qui sont très importants pour compléter la démonstration, à savoir que les extraterrestres apocalyptiques dirigés par les êtres gris utilisent des éléments de nature matricielle pour nous influencer, et pour d'autres raisons qui, je pense, sont très importantes à découvrir avec une nouvelle science, qui est une science prévisionnelle, événementielle. Le mot qui signifie « deux », avec la valeur réduite des lettres de l'alphabet, a pour valeur numérique 18. Le mot « L », synonyme de « voler », a pour valeur numérique 18. Et le mot « delta » a pour valeur numérique 15. Lorsque la valeur des lettres n'est pas réduite, je note aussi que le mot delta a pour valeur numérique 42. Dans ce cas, l'association des mots L delta a pour valeur numérique 33. Et l'association des mots 2 et delta a également pour valeur numérique 33. L'on a ici de nouveau une cohérence très forte avec l'apparition des deux L delta décrites par Pierre Dauchin. Je rappelle qu'un vitrail, voire la première vidéo, est fixé à la fenêtre par laquelle Pierre Dauchin décrit pour les journalistes l'apparition des deux ailes delta le 18 avril 2015. J'ai noté que ce vitrail est probablement, on le voit très brièvement dans le reportage de France 3 ou de France, un vitrail de figuration chrétienne. Pierre Dauchin est lui-même un amateur d'art, comme on peut le constater dans le décor de son intérieur, qu'il a bien voulu présenter aux journalistes et au public. Je note ce jeu de mots très intéressant. Vitrail peut suggérer vitre, aile, toujours l'aile pour voler. Si j'isole les lettres VITR et que je calcule la valeur réduite au maximum, j'obtiens le chiffre 6. 6 peut se ramener
Par exemple, à 33. Donc vitrail peut donner 33 L. 33 peut donner notamment les deux deltas, donc L, deux deltas ou deux triangles. On pense également à l'âge de Jésus-Christ à sa mort. Fait d'une très grande importance pour terminer. Les liens avec la date du témoignage de Pierre d'Auchin. Je rappelle que cette date correspond évidemment à une date du calendrier chrétien, qui est le calendrier apocalyptique que, selon moi, nous devrions abandonner comme exorcisme, ce que nous n'avons toujours pas fait pour le moment. 18 avril 2015 peut donner 18-4-2015. 18 peut être rapporté au mot L de valeur 18. 4 et 2, 42, peut être rapporté au mot delta, valeur non réduite des lettres, tandis que 15 peut être rapporté aussi au mot delta, valeur réduite des lettres. En conséquence, 18-4-2015 peut être traduit par L, delta, delta. C'est très exactement ce qu'a vu Pierre d'Auchin ce jour-là, devant sa fenêtre, à l'extérieur, surplombant la vallée de Liancourt, deux ailes delta, d'origine extraterrestre, malveillante, selon moi.